Il s'appelait Takada Kenzo Hare, plus connu sous le nom de Kenzo. 7 mois après la disparition du créateur de mode japonais emporté par le Covid-19, les objets qui ont accompagné sa vie vont être vendus aux enchères. L'exposition se déroule dans une réplique de sa maison, dans un appartement de 600 mètres carrés situé à Paris. Le public peut apprécier la collection et rencontrer un peu l'homme. Kenzo était toujours joyeux, explique son assistant, comme sur la photo. C'est triste de penser que les objets seront vendus, mais ce n'est pas comparable à la perte de Takada lui-même. Kenzo était arrivé en France en 1965 et avait lancé sa première collection en 1970. Ses affaires personnelles, mises aux enchères le 11 mai, reflètent son attachement à la couleur et son inspiration dans le métissage. Il est mort à 81 ans.